Bienvenue avec nous sur Channel là pour l'autre vidéo. Dans la vidéo ça nous va partager ensemble avec vous actualité sportive. Pas oublier soit à peine rejoindre nous, meilleure façon capable de supporter nous, c'est abonner. Là vous finissez abonner, tout activer la cloche notification, quittez un commentaire, quittez un like et surtout aidez-nous partager vidéo ça. N'a démarré avec actualité sportive là, c'est avec une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain sous Warren Zahi Emery. Comme annoncé journal Le Parisien sous une balle limitée, Zahi Emery, 18 ans, et une prolongation au Paris Saint-Germain sur la table. Excellent à Saint-Sébastien, jeune talent parisien qui a fêté 18e anniversaire vendredi 8 mars 2024. Et en même temps, journal fait connaître rendez-vous pour accélérer pour que Warren Zahi Emery prolonge le contrat qui a terminé en juin 2025. J'ai été annoncé dans la dernière semaine, prolongation Warren Zahi Emery est déjà bouclée avec les clubs et capital. Faut nous dit après victoire Paris Saint-Germain sur l'équipe la Real Sociedad, le jeu football a réagi, côté qu'elle dit. Là où tu poses la question sur la prolongation de la Paris Saint-Germain, je me suis dit, je ne suis pas tellement occupé de ça. Je vais fêter 18 ans moins, eh bien, 8 mars 2024, et je vais prêter concentré sur le terrain et bailler le meilleur de moi-même pour l'équipe Paris Saint-Germain. C'est comme ça, je football lui-même, l'été réagit. Toujours en Espagne, nous pourrons parler de Vinicius Junior, monsieur lui-même qui crée un pile palais en Espagne, et bien brésilien, qui fait une journal as, et bien là, vous parlez de progression attaquant madrilène pour saison 2023-2024. Journal madrilène li affiche dans une balle, un nouveau Vinicius Junior. Eh bien, dans 15 goals brésiliens déjà émaqués, eh bien, 6 là d'ailleurs, eh bien, c'est sous première touche li. Eh bien, final, fait qu'on est, Vinicius a désormais besoin 5 tirs pour lui marquer, alors que auparavant, il était besoin 13. Li c'est joueur qui a généré plus goals dans 3 dernières éditions Ligue des Champions. Eh bien, journal lui-même lui parlait et lui montrait à quel point Vinicius Junior lui a pratiquement venu ultra efficace devant zone des vérités. Journal madrilène qui c'est journal AS qui parlait de saison Vinicius Junior là et comment monsieur lui-même lui paraît efficace. N'a pas quitté pays l'Espagne pour nous aller directement en Angleterre, Napoué Allen qui répond à Trent Alexander-Arnold. Eh bien, la fois qu'on dit nous connaît pour quelqu'un choc ça en Angleterre, dimanche qui a venu là, entre Manchester City qui a joué face à l'équipe Liverpool. Eh bien, Trent Alexander-Arnold, défenseur équipe Liverpool Jenna, qui te répond à une question sous domination équipe Manchester City. Eh bien, en Angleterre, je dis c'est vraiment dur. Alors, Trent Alexander-Arnold qui a parlé, je dis. Nous face avec une machine qui construit pour gagner. C'est une façon qui plus ses plans pour nous décrire City et avec organisation Lyon. Même si vous gagnez plus de titres que nous et probablement vous gagnez plus de succès. Monsieur dit, mais pas pour la caille nous, trophée nous signifie plus pour nous et pour supporter nous en raison des situations financières de club. Une déclaration, eh bien, Alan lui-même pour répondre, notamment, il profitait tacler défenseur équipe Liverpool. Entendez comment Alan lui-même lui répond. À travers une déclaration qui est relayée par Manchester Evening News, Alan répond, il dit, côté triple là, Trent Alexander-Arnold. Eh bien, Norvégien lui-même, qui pas remet déclaration ça. Eh bien, dans Miko Sky Spot, Alan dit, moi ici depuis un an. Et moi déjà gagné un triplé. C'était un sentiment vraiment agréable. Moi, pas penser que Trent Alexander-Arnold et connaît sentiment ça. Alors que ça m'était ressenti saison dernière, c'était vraiment très agréable. Voilà, c'est comme ça. Ellen Allen, lui-même, il a pas sorti pour répondre avec Trent Alexander-Arnold. Et puis, il y a un journal de l'email qui affiche une balle. Il mettait coup de gueule de Allen. Même bagaille dans tout le journal Daily Express qui évoquait cri de triomphe dans une balle. Comment Allen lui-même lui répond Trent Alexander-Arnold?
Dans l'autre actualité sportive, Florentino Pérez, président Real Madrid, qui répond à une grosse question concernant Kylian Mbappé et Alphonso Davies. Eh bien oui, monsieur lui-même qui répond avec une demande, un fanatique qui demande pour signer Alphonso Davies et Kylian Mbappé. Alphonso Davies qui a évolué en équipe à Bayern Munich, qui contrôle à prendre fin en juin 2025, mais qui peut rejoindre un accord pour le prolonger contrôle avec Bayern Munich. Et Kylian Mbappé joue Paris Saint-Germain, qui contrôle à expirer en juin 2024, qui a déjà annoncé qu'il joue un accord avec Real Madrid, mais en y Poco officiel, et bien c'est dénonciation qui présenté comme requifa pour club et capitale espagnole saison prochaine. Et bien là, gagné fanatique qui t'est parlé avec président Madeleine, et bien dans une petite séance de photo. Yo dit alors fanatique donc parle avec Pérez ou droit faire venir Alphonso Davies. C'est comme ça. Un fanatique t'a pas fait des demandes là, bon côté président Real. Eh bien, Pérez pour nous dit Alphonso Davies, qui est ça qui Davies? C'est comme ça Pérez lui-même te répond, mais monsieur lui-même il t'a profité sourire lorsque il t'a répondre qui sont comme ça. Et puis gros fanatique qui dit avec Alphonso Davies et Kylian Mbappé, n'a presque gagné tout trophée. C'est comme ça supporter lui-même t'a pas insister boss madrilène non. Et au mandé monsieur, est-ce que Mbappé a privé bientôt? Pérez répond encore, il dit Mbappé, qui est-ce que Mbappé hein? Et là Pérez encore monsieur répond avec en pile ironie, mais il t'est profité sourit. C'est une vidéo qui partagée par Chris MJ sur compte Mourong 10, et bien là qui montre comment Pérez lui-même t'a répondu une question sur possible river Mbappé et Alphonso Davies. Faut que nous dit président club capital espagnol qui a pas fêté jeudi en même anniversaire de naissance li 77 ans. Monsieur qui te répond question ça yo concernant Mbappé. Mais faut que nous pas oublier Pérez pas jamais écarté question ça yo. Et faut que nous dit année dernière, il y a un fanatique qui demande monsieur pour te signer Mbappé. Monsieur dit, les APS répondent pour dire, oui, n'a pas signé, mais c'est pas année ça. C'est comme ça, Pérez te répond en 2023. Et puis, il y a une mauvaise nouvelle pour l'équipe Real Madrid. Là. Nous connaissons international et anglais, hein, Jude Bellingham, qui était suspendu pour 2 matchs. C'est officiel. Eh bien, Real Madrid qui t'a fait appel, et Real fait appel. Là. Mais malheureusement, mauvaise nouvelle, là, c'est que appel Real Madrid pour suspension de 2 matchs. Qui ou baye avec Jude Bellingham nan li rejeté. Yo pa répond avec appel là. Ça veut dire que Jude Bellingham li a suspendu pour 2 matchs. Malgré Vinicius Junior, monsieur recevra un pile critique en Espagne, un peu partout et dans le monde justement. Mais gen un monde qui choisit pote soutien avec Vinicius Junior. Il s'agit de présentateur et émission El Chiringuito qui c'est Joseph Pedrerol. Li défend Vinicius. Monsieur dit gen des jeunes qui vivent football d'une manière plus passionnelle que l'autre. Moi quoi que Vinicius Junior li vive football là de manière passionnelle, li vle gagner tout match. Moi trouve que Vinicius Junior monsieur lui-même li pas disparaître dans aucun match, que ce soit dans Liga ou bien dans Ligue des Champions ou bien dans Coupe du Roi. Et bien là et monsieur continue pour dire moi-même moi vle Vinicius Junior dans équipe moi, li droit améliorer plusieurs bagaille, mais nous doit quoi? Je dis, Vinicius Junior, c'est vraiment un joueur qui gagne un talent. Et parfois, il sent-il tout seul. Eh bien oui, dans l'autre édition pour la Sexta, monsieur lui-même qui d'après le parler toujours pour Vinicius Junior, monsieur dit, Vinicius Junior, il était capable d'expulser. Il doit apprendre pour le contrôler. Mais, qui joue qui fait lever Santiago Bernabéu? Qui est-ce qui toujours a essayé tout bagaille? Monsieur dit, qui joue qui pas jamais abandonné? Hein? Eh bien, c'est Vinicius Junior. Je dis Vinicius, c'est un vainqueur. Quoi qu'il y ait lieu, doit prendre envie, surtout dans tout match. Eh bien, c'est comme ça, et Joseph Pedrerol t'a parlé de Vinicius Junior. Je dis qu'il voulait gagner Vinicius Junior lui-même dans l'équipe. Alors, s'il a une équipe, il voulait gagner Vinicius Junior là-dedans.
Pas oublier fanatique sur à peine rejoindre nous, meilleure façon capable de supporter nous c'est abonner, les fin abonner tout activer la cloche de notification, quitter un commentaire, quitter un like et surtout aider nous partager vidéo ça.